on va revenir finalement plus haute instance du pays. Quand tu commences à dire l'exemple vient d'en haut. Si demain tu en parles même et en violence, si tu en parles même et en manque de courtoisie, si tu en parles même et dans non-respect de la règle basique qui vient établir tout bas député, si là-bas même et dans le problème, de quelle manière nous allons attendre, qui pays là les rôle dans la discipline, pays là rôle dans la non-violence, pays là rôle avec un coup de base. Ce n'est pas possible. Donc c'est pour cela qu'il nous dit l'exemple vient d'en haut. Et nous choquons que ça a été l'exemple à fin de donner par l'opposition elle-même principale. Mais nous pouvons trouver aussi c'est qu'une série d'événements. Ce n'est pas un événement qui localisé à mardi. C'est une série d'événements d'une attitude aujourd'hui agressive, violent même, qui n'a adopté au Parlement. Nous rappelle un incident concernant l'honorable Rami Ratna, qui l'honorable Rami Ratna, dans une précédente séance parlementaire, fut traité de tiroquet. Après, bien sûr, sa séance, il reste tranquille, mais après, bien sûr, l'honorable Ratna dit aussi d'une italienne. Et il arrive à une situation que je gagne presque coup de poing, coup de pied dans le Parlement de Maurice, qui se fait durer depuis très longtemps. Je vous rappelle sur votre mémoire, mais ça c'est bien longtemps. Après, tu me calmes un peu et nous trouvons là un exemple inacceptable de violence contre un député, jusqu'à ce qu'il débute là, une visière de protection policière, pour être capable de rentrer sur tasse dans le Parlement, alors qu'il y a une menace dans l'hémicycle, en dehors de l'hémicycle, dans le room, etc. Donc, il peut arriver à une situation que tu peux empirer au niveau de respect des règles, manque de courtoisie, insulte et jusqu'à même à la violence au Parlement. Donc, le Finger, c'est un exemple contre Nora Bratna. Et bien aussi dire que toute information maintenant qui en sautant ce jour-là, on aura raté un peu sorti. Au contraire, quand les deux positions finissent, on dirait qu'on aura l'idée, ils ne veulent pas pacifier les choses. C'est pas le rôle. Et c'est une chose, mais malgré cela, donc il fait un sujet à un problème, à une violence, à une menace de violence physique. Maintenant, concernant question time de mardi. Quel est le but question time? Le but question time est clair dans nos standing orders. So, l'objectif, c'est obtenir information. Question time, ce n'est pas un débat. Quand on a une donne sur l'opinion, tout ça. Quand on a une donne sur l'opinion. Question time, c'est un objectif pur et simple, un exercice de grande démocratie. Quand non seulement un ministre n'a pas gagné droit, mais c'est le Parlement, donc il y a un respect là. De l'autre côté, le député là aussi n'a pas de règle qui est bien respectée. Et règle qui est bien respectée, c'est question time, c'est la vraie information. Il y a servi sur l'information, après dans un débat, il y a servi de l'autre place. Ça, c'est un autre affaire. Gagner l'information. Et donc, nous trouvons que dans sa question 640, qui est encore par grand disposé, il est dérapé. Il est dérapé. Quand il pose question, l'eau, head of news, etc. Après, il est dérapé pour venir faire une accusation qui l'honorable Padep manipule la MPC. Maintenant, bien sûr, quand le rabbin soulève ça à des points de l'ordre, les devoirs speaker statuent d'après standing order. Les devoirs speaker statuent d'après standing order. Le standing order, si nous guettons, si nous guettons section, l'article 22 standing order, nous avons dit là, ce qu'on appelle content of question, et il dit clairement, black on white, il dit clairement, a question shall not contain any arguments, expressions of opinion, inferences, imputations. Shall not contain any arguments, expressions of opinion, inferences, imputations. Donc, speaker déclare qu'il convince et manipule, déclare qu'il y a une imputation, une inference. On prend une finie, make up your mind, que sa ministre peut manipuler la MDC. Et donc, speaker, quoi doit-il, il ne peut pas dire. Il peut servir un parlementaire. Tu vois, là, on trouve la presse, il me dit que manipuler, c'est un parlementaire. Puis, quand on dit un parlementaire,
un parlementaire, si vous venez à un certain monde, on va vous répéter qu'un banal, si possible, ça c'est un parlementaire. Il vient dire que question time cannot have an inference. Vous ne pouvez pas avoir une faute d'une question qui était ministre des Affaires. That was, c'est ça qui explique qu'il vient dire dans ce sens. Et, strictement parlant, le chef speaker finit avec ça dans ce banal du monde, ça est correct. Il n'y a aucun problème légal d'interprétation de ce qui explique le financier au niveau de sa réponse à sa point de vue. Maintenant, fin de ça, dans un parlement démocratique, mais dans un espèce de mode, il n'y a pas besoin d'arrêter là. Si les deux ne sont pas d'accord avec cette manière qui explique le financier, interprète, pas si les gens pourraient citer lui, pas si les gens pourraient jouer, pas si les gens pourraient battre, c'est amener une motion of no confidence dans le speaker. Fin de ça, il y a dans le passé. Si tu parles d'amener une motion de no confidence, tu viens d'expliquer qui fait un ruling du speaker pas bon. Donc tu ne peux pas accepter. C'est à l'époque-là, depuis du speaker, tu tiens la motion et tu tiens la chambre. Le speaker, tu pourrais t'y aller. Et dans un système démocratique, que nous respectons nos camarades, que nous respectons ma règle, c'est ça qui lui donne l'option de leadership. Il y a encore une option de leadership. Amen. Ça. Et nous pas accepter, tu vas lui expliquer. Qui manière, c'est un niveau de 22, un I, il n'est pas bon. Il n'est pas mal interprété par le speaker. Mais ce n'est pas ça, malheureusement. Choisir, au contraire, c'est choisir une insulte, menace, violence, et il n'est pas une façon qui va amener une démocratie. Il n'est pas un exemple pour un jeune aujourd'hui, il n'est pas une façon que nous avons vu le pays, l'île Maurice de demain. Fini. Et c'est pour cela donc qu'ils, sans réserve, nous condamnent l'attitude et nous demandent à la population de condamner l'attitude du leader de l'opposition, M. Paul Béranger. Surtout, qui tout porte à croire qu'il woke up MMM qui nous planifiait d'avance. Qui nous planifiait d'avance, qui nous donne nous-mêmes, qui savons quand ça peut arriver. Seule chose, c'est des questions de timing. En tout cas, moi, M. Leader de House, à ce jour-là, on n'est pas au courant aucun complot, ni avant ni après, lorsque qui explique lié indépendant, tient une question point of order qui relate to question time, il est tout à fait en droit, il s'est déjà même fait avant question time pour qu'il ait si tient une question point of order qui relate to debate. Le même cas, peut-être qu'il a attendu un petit peu plus tard. Après question time, un point de vue qui relate to questions. C'est son devoir. D'ailleurs, il y a une feuille la semaine dernière. D'avant, anyway, c'est son devoir qui a dit avant question time pour qui sa session a déroulé selon les règles. Et finalement, me dire ceci, on ne traite pas une dame de la sorte. On ne peut pas traiter une dame de la sorte. Il y a un minimum de respect. Voilà, madame. Qu'est-ce que j'ai fait? Sortir un point de pied que vous madame. On ne s'est pas supposé, on n'est pas, on ne traite pas une dame de la chose, un respect, madame. Une violence conjugale, ça peut être condamnable, c'est pareillement. Ça a été violent, ça peut être madame qui dit faire ce qu'il a pas fait ça. Et donc, pour ça, nous avons aussi, monsieur, madame, dans les mots, on prend une autre manière qui fait madame speaker, ça jour-là. En tout cas, nous, du côté de la Chambre, dans tous les respects pour la démocratie, pour les règles, et nous continuons le respect, nous pas plutôt dans provocation. Nous attendons, passe la parole à mon collègue Ayvan, pour continuer. Il est clair que la population est choquée par le comportement des vingt députés MMM, enfin je vous ai dit de certains députés MMM, parce qu'il y a les autres d'autres hauteurs, les autres grandeurs. Ça va le député là, il propose autres comme une véritable balanceuse. Mais qui pourquoi ou dans une discothèque mal famée de New York, au lieu de la plus haute instance de la démocratie mauricienne. Avant ça, tu es là l'attaque violente. Et si pas tu es là,
ministre Dagal, avec Guido Le Poignet, nous ne connaissons pas qui peut arriver, camarade maintenant, en face à sa violence. Et c'est la même chose qu'il répétait mardi dernier. Les insultes, pas de zourée, pas de violence, qui est inacceptable. Ni moi, je n'ai pas dit des affaires, à la limite, je comprends ce qui peut passer. Après, surtout la défaite des municipales, la défaite générale, ça c'était des affaires, mais défaite élection municipale, les MMM, Paul Déranzé et Kradies Bagouane, n'a pas fait digérer qui dans un ban bastion, je ne suis pas capable d'élire un seul conseiller municipal. Même pas d'éléments de valeur comme tout ça, pas fin capable d'élire dans cette époque. Ça finit beaucoup plus grave que autres avec ce congrès fiasco dans Réduit, qui par coïncidence fut suivi par un petit congrès du ML localisé dans Trèfle qui fit un grand succès. Donc c'est la panique qui explique son comportement de bounceuse qui nous trouvait dans l'ordre. La force faible du MMM, la faiblesse grandissante du MMM explique cela. Mais comment Xavier peut dire, il faut aller un peu plus loin, depuis la campagne électorale, systématiquement, il ne faudrait pas l'oublier, Paul Béranzé, avec Navin Ramgoulam, fut faire une campagne systématique contre la femme. Pendant toute la campagne, madame fut faire l'objet de toutes sortes de remarques sexistes, violentes, dégradantes. C'est probablement cela qui explique le fait qu'il a dit en même travailliste pas capable de faire venir une seule madame au Parlement, même pas comme Bessouza. Il n'est pas possible qu'il nous continue manque respect à la femme dans sa manière qu'il se fait. Sa qualité qui le leader de l'opposition lui-même, il répète ce mal causé contre Maya Anoumanji, lui honteux. Vous pensez, le leader de l'opposition, et ce mal camarade surtout, Bizin, songe sérieusement à qui pour faire Ali. Moi, on a mon idée, mais je ne vais pas le partager publiquement. Mais fin l'air pour faire lui comprendre qu'his time is gone. Il n'est pas possible qu'il y servit maintenant le Parlement dans un effort désespéré de refaire sa popularité alors qu'il en arrive au plus bas avec 7 députés dont la plupart du temps Détroit n'a pas présent. Dernièrement, il est clair que l'Alliance MMM travailliste encore existe. Parce que quand on trouve le mouvement du Parti travailliste qui soutenir le MMM, c'était une alliance de l'opposition qui l'a réalisé. Le tout bas débité et la population condamne avec véhémence la conduite de Paul Béranzé. M'espérer que ça pourrait être la même, m'espérer que la presse
jouer son rôle plein et entier dans la condamnation des Balbats de mars dernier. Je vous passe directement le micro à camarade Marie. Joignez-moi à Philippe Camarade Javier et Ivan Mier, vous dénonce le comportement indigne de Paul Béranger, de Rajesh Bhagwan et du MLM mardi dernier. Au fait, ce qui vient de passer mardi dernier, Lévin confirme encore une fois qu'il peut le mélanger par fin sans. Et au fait, il peut empirer. Quand il n'est plus un argument, quand il sent il acquillé, sa stratégie c'est provoquer, insulter, menacer. Mardi dernier, nous trouvons qu'une manière le film attaque le speaker, insulter lui jusqu'à après pour dire qu'il peut être en complot. Et tout du monde, tout le monde camarade journaliste, une trouve avec qui dédain et qui arrogance, et puis adresse-lui au speaker. Il est révoltant sa façon de faire là. Et certainement, le peuple vous zise-lui dans sa qualité contre le monde. Paul Béranger, il y a un parlementaire de longue date. Il connaît man standing orders très bien. Et il finit choisir pour ne pas tenir compte et pour aller à l'encontre de Van Standing Orders. Comme vous aviez mentionné, on va vous répéter la séquence des événements. Mais vous êtes content d'ajouter une quixeuse là. Moi, pour la préciation, moi, tout le speaker, quand même, vous êtes dire très flexible à son égard. Parce que quand un speaker donne un ruling, le standing order clair qui n'est pas capable et n'a aucun débat, aucun commentaire, n'est pas capable de remettre le ruling en question. Il est clair ça, standing order 41, D. Mais malgré ça, je trouve le speaker il quand même une écoute libre. Mais la solution, évidemment, s'il n'est pas satisfait, c'est qu'il vient avec une motion à l'Assemblée. Au lieu de ça, il refuse. Il provoque, il incite, il fait une allégation, forfait, complot. Et comment, vous dire ça en passant, comment le chief whip, manager Brou, il dit, il met Paul Béranger au défi. Il montre, il dit, donne-moi un élément pour finir dans le complot. Et franchement, ça partit que Paul Béranger veut dire shame à l'adresse du speaker. Là aussi, speaker, il vous a dit, vous êtes des gentils. Vous posez la question, est-ce qu'il vous fait dire ça à speaker? Il vous fait répondre, oui. Pour montrer avec quelle arrogance il peut opérer. En tout cas, ça nous montre qu'il n'y a aucun respect pour l'institution qui est le Parlement. Et comme on veut dire, les temps peuvent prouver, peuvent montrer encore une fois. Il veut continuer à manquer du respect. Pas oublier, là, dans le passé récent,
il était en connivence avec l'ancien Premier ministre. Pour ferme le Parlement pendant presque une bonne année. Zis, il y a une question d'intérêt personnel, parce qu'il peut le transer, tu peux avoir une Premier ministre à ce pays-là. Et tu as vu une au plus vite possible, quitte à faire n'importe quoi. Mais de ce pas, ça comportement là, même les teams finis bafouer la démocratie. Et à Zodi, il y a un culot, il peut venir faire la leçon maintenant. Avec sa qualité comportement là. Mais clairement, il peut perdre la crédibilité de tout en jeu. Et sa qualité pour des glaces qu'il peut refaire, sa qualité cinéma qu'il peut refaire là. Ça a été stratégique qu'ils ont adopté dans l'opposition. Comment Ivan il vient dire, il dit bon, ça, il bon qu'il m'a répété aussi. Je ne comprends pas qui fait, il arrive à sa zone. Bien sûr, nous dénonçons lui, mais il ne passe pas une élection générale. Quand il est tellement confiant qu'il a gagné, tu peux cause 60-0. Ça racler qu'il est fait une bonne vie. Après ça, ce propre parti est cassé. Combien va le figure de groupe dans le même à part la base, combien de militants il quitte libre. Plus, va le député comme Alain Gallou. Il ne sait pas lui. Après ça, comment il va dire, on voit ça, c'est le plus indigeste de tout. C'est ça, frappe les 120-0 là, dans l'élection municipale. Et là, récemment, avec le congrès l'anniversaire, 46e anniversaire, c'est un fiasco. D'ailleurs, comme on va faire sa remarque là, et ça, c'est une remarque. Il ne faut pas voir qui est dans quelque chose. Depuis ça, à en dire, là, il devient un fiasco. C'est Patrice Bagouane, pourquoi toujours dans l'histoire là. L'autre incident qui tient dans l'Assemblée, quand il peut dire moi dans prison, moi, je peux penser mes notes dans l'armée, là, et qu'il y dit qu'il voulait la honte, qu'il est dans le Parlement. Moi, dire, c'est lui qui décidait. Moi, dire, c'est lui qui la justice. Moi, je me permets de me combattre. Mais ce n'est pas à Radis Bagouane ni à Paul Béranzé pour dire qu'il m'a fait 5 minutes dans l'armée. Mais ça nous laisse le temps que ce travail dans l'armée de l'État. Mais quand cette stratégie peut faire un après l'autre, et chaque fois cette stratégie fait, chaque fois Paul Béranzé peut dire, il va venir plus fort que jamais. Hein? La cause ça qui nous applaudit quand Paul Béranger fait dire qu'il y a une vie pour que l'armée. Mais face à sa déroute là, maintenant il choisit pour attaquer l'institution suprême du pays, le Parlement, qui attaque lié à un speaker, comment j'avais dit, attaque lié à une madame, sa manière qu'il est pour lui là. Mais, en tout cas, moi aussi, je suis totalement d'accord qui, au fait, je suis fini, planifié, que je vais faire au cas, je vais créer un désordre dans l'Assemblée. Et au fait, il peut dire qu'il soit disant, et dans le complot, vous parlez, il pose bien, il peut bien, tous les déposer, tous les. Ça que moi, je dis, c'est ce prérogatif. Mais il n'y a aucune raison, aucune nécessité. Et d'ailleurs, question qu'il n'y a posée, qu'il n'y a pas de posée, mais le ministre des Finances, il dépose la réponse au Parlement. Mais face à un gouvernement, l'Alliance des peuples, qui est stable et qui est solidaire, et qui l'y connaît, travail au niveau du gouvernement
nous pouvons faire avec conviction, mais l'opposition y a un désarroi. Et ça a aussi confirmé qu'il a pour MMM travaillé, il a encore existé. D'ailleurs, quand on trouve une manière de faire un workout ensemble, et nous connaissons une manière de faire coordonner certaines autres bonnes activités, mais ça nous laisse bien militant. Ziz, et ça a des pactes qui est dans entre MMM et Coach Lawrence. Alors, pour terminer, par souhaiter qu'ils se retournent à la raison et qu'ils se réalisent qu'ils ont une faire, mais une affaire aussi. Ce n'est pas juste nous, mais c'est le peuple qui coule aussi. Merci. Ma question à Saint-Pita. Alfred Aubry vient de dire que le beau cadre du MMM qui déjà planifié avant. Qu'est-ce qui fait cette pensée du petit déjà planifié? Vous avez des noms? Je peux dire que si speaker donne son bonus, je fais le beau cadre. C'est déjà connu. Tout ça, tout ce qui est arrivé dans le croisement mardi dernier, qui n'a pas le fond, la gestion d'un MDC, magnétique MDC, cette information qui vient avant, mais nous, est-ce qu'ils sont satisfaits de tes magnétiques MDC, de cette information? C'est pas ça le débat. Mais c'est pas ça le débat. Qu'importe le débat de fond. Mais pas sûr du monde. Ou pas maltraiter pas la difficulté là. Ou exprimer des apports, bien sûr, ou exprimer des apports. C'est pour ça qu'il ne parle pas. Nous sommes capables d'accord à Badouane, nous ne sommes pas d'accord à lui. Ça, c'est un autre débat. Mais qui m'a dit, on exprime des apports. Quand on est dans une rédaction, on exprime des apports. Nous sommes rédacteurs en chef, ou maltraités. Après, on quitte la porte pour aller. Après, nous avons dit sa qualité de jour et qu'il nous tendait là. Voilà la prochaine question. Non, mais la question c'est qu'il est-ce qu'il se, au niveau de l'agence de Dapos, tu fais critique la gestion de l'AMBC de l'AMBC en l'AM. Est-ce qu'il a actuellement des d'accord avec le traitement de l'information et la façon qu'il dit l'AMBC traite l'information et la gestion de l'AMBC? Bon, c'est, je ne sais pas, la même chose qu'il a dit, une nouvelle chose dit. Qui fait prendre un MDC en cours sur les fonds, pas encore vraiment entamé, mais encore beaucoup d'affaires près de l'MDC, et il n'est pas capable de dire aucune MDC ce qu'il a envie, mais il n'est pas capable de dire aucune envie qu'il vienne demain à une station nationale, dans tout le monde dans les hémisphères sud, capable de fier de lui. Il n'est pas encore arrivé. Mais on peut dire aussi qu'il explique à Valignon sur Rolling, il dit qu'il finit de feu ou pas de transcription de sa zone-là, mais. Dans une standing position, même M. Banin finit dire qu'il équipait en deux mois, il laisse présager qu'il équipait des idées qui vont du monde qui vient à l'MBC. C'est ça le contentieux de sa pointe en tournée là aussi. C'est ça. C'est beau cas. Beau cas. Mais quand on a ça, on connaît. Ou fait. Ben député. Je parle dans Bazor. Dans Bazor, quand on a monté, quand on a sauté, quand on a dit ce que tu ici, il y a une standing orders. Et moi, vite, peut-être lui-même. En connaissance de cette année, si vous pas satisfait avec un ruling, vous faites une motion, que ça serait pour. Ou bien vous proposez deux commandeurs, un singe dans la forêt. Vous retrapez une branche, vous. Et là, sur la loi, sur le règlement, mais au contraire, il invite le leader de l'opposition, qui compte très bien. Il dit qu'on très bien qui, s'il n'est pas satisfait, et certaines choses, il est capable de poser des questions, il est capable d'une expérience, il est capable de mettre une motion. Il décide pour refuse faire tout ça là, et lui faire un cinéma. Et de mauvais goût, encore. Est-ce qu'il a vraiment l'intention de mettre une motion pour le faire pour aussi pratiquement l'excuse qui est la suite. Ou bien, 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 ou bien,
je te dis plusieurs fois que je compte sur les médias et les journalistes pour dénoncer cette transgression de la démocratie parlementaire. Est-ce que je finis guette la NBC, comment est-ce qu'il finit rapport cet événement mardi soir? Le gouvernement de la BAD. Je ne vais pas nous rendre ça particulièrement, mais j'ai même fait le soutien qui nous paye encore un directeur général de la liste. Il est tellement obligé de tout ce qu'il peut faire qu'il ne nous mène pas pour un directeur général. Donc laisse-lui franchir cette étape pour y arriver. Ma question, c'est est-ce qu'ils étaient guette la retransmission de cet incident à la MBC mardi soir? Oui, c'est important. Par rapport au Saint-Nigon, hein, puisqu'il y a un mauvais comportement dans le Parlement, puisqu'il y a un manque des opposants fait de part et d'autre devant cette imposition, je n'ai pas pensé qu'il est grand temps qu'il régule Saint-Nigon qui a amendé il y a plus de 30 ans, encore 83, pour donner plus de pouvoir au Speaker, par exemple. C'est énorme pouvoir. Et dans les Saint-Nigon, ce qu'il a, il a un pouvoir. Au contraire, moi, ça c'est mon opinion personnelle, vous voulez dire, moi tout le speaker, il nous au contraire pris une bien flexible à l'égard du leader de l'opposition. Écoute-lui quand même. Lohen Rouling, speaker, fait un débat, on va le guetter, vous trouvez. Mais la personne n'a pas aller à dire quoi que ce soit, voilà. Et pourtant, il laisse le leader de l'opposition poser, il me dit. Mais vous guettez avec qui l'arrogance de l'idée de l'opposition, Lévin a acheté la guerre là, dit. Un des affaires qui concerne Radius Bagual, Lévin prend ça, Lévin a acheté la guerre. Mais on va trouver clairement la Zangala. C'était qui vous. Tiens, moi qui vous faire. Qui vous faire, moi, contre moi. Concernant l'MBC, c'est écrit, c'est un des promesses dans 3 mois, je crois pas qu'il y a une réforme à l'MBC. Et là, pas seulement 9 mois et toujours rien. Le fait que Xavier ne peut dire, mais le ministre Bada qui me répond aussi dans le Parlement, il dit qu'il y a beaucoup d'améliorations qu'il a apportées à l'ANBC. Je dis ça. Ça veut dire qu'il dit parfait. Et là, il faut faire une sorte pour vous amener. Il paraît qu'il y a moins de contestations sur la MBC, finalement moins d'allégations de manipulation quand il y a le directeur général qui se dit nommé récemment. Depuis qu'il est parti, finalement, l'affaire des coffres-forts montrée à la télévision en plein reportage sur la sortie de Navi Rangoula Marquewalnagar, finalement, la lettre du journaliste adressée au Premier ministre, il y a une série d'incidents qui démontraient que depuis que l'ancien DG est parti, tout porte à croire que le ministre Badin fait interfère et manipule la MBC. Est-ce qu'à un moment donné, les membres du gouvernement se voient qu'ils constatent cela, tel qu'il a presque fait rapporter, tel qu'il a mal à l'évasion? Il est possible qu'il ait la raison, il est possible qu'il ait la tour. Mais qui vous fait là? Ou lever, ou menace tout le monde? Ou partie du monde, ou comprendre comment on va le ou bien pour faire comment on peut faire là, pose la question, qui fait ou pas des vœux, pas vous au moins, ou pas comment ça se passe. Parce qu'il y a une bonne manière, et où vous comprenez qu'il y a un problème, et vous pose la question tout à fait légitimement. Vous pouvez considérer qu'il y a un problème, monsieur Lennon? Ben, évidemment qu'il y a un problème dans l'MDC. Vous pensez qu'il y a un bel problème dans l'MDC. Mais c'est un problème, qu'est-ce qu'on fait pour regarder ça? Ça veut bien fait dire. Il peut être directeur général. Hein. Et puis, c'est la forme et le fond. Tout député, tu gagnes le droit d'une complainte, contre un décision. Mais pas de question time. Il y a une motion qui va venir. Maintenant, adjournment time, et la politique. Là, sur l'endroit, pour le faire. Bien respect, les règles de la démocratie, pour vous faire ici. Une question pas une de vous pouvez contribuer à un dérapage en fait, pas pensant que les leaders vous avez des bonnes comptes. Vous pouvez dire moi qui est là, vous aussi participer. Non, qui est là? Vous pouvez participer. Et ça aussi, tout le monde dit, mais provoquer. Vous avez une réaction sur des provocations. Même maintenant, vous allez vous rapporter. Vous avez une provocation. De tout ce qui s'apporte à la politique, quand vous avez une rapport dans la théorie. Excuse-moi, laisse-moi rétablir bien les faits, madame. Moi, je suis là, je suis bien guetté. Bagwan, il commençait, il dit, Pravin, il dit, ah, ça qui t'a plus sorti. Et Pravin, il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça?
Alors, peut-être que Dieu n'a pas venu menacer. Mais pas qu'il y a une menace, mais qu'il a également des idées à ce qui n'arrive. Moi, on peut dire où ça qui n'arrive. Par quoi, il ne commence pas à dire quoi, ça qui peut arriver, toi. Et Pravin, il dit, qui te l'a dit à part ça? Tout à fait légitime. Pour qu'on sache en fait ce qui s'est vraiment passé, le finger, only one side of the picture, mais l'histoire d'une guette à la télévision, c'était juste la caméra qui est à droite de la chambre, qui tenait l'image de l'opposition qui finit de montrer, nous pas finger le comportement de la majorité. Et ce qui, pour cette things clear, c'est quelque chose de très important, les trois leaders de l'Alliance peuvent faire une conférence de presse sur ce sujet, exclusivement sur ce sujet. Est-ce qu'ils ont dit à l'MBC, montrer les images, montrer les deux plans, les deux caméras au même moment, et l'affaire sera claire. Vous trouvez qui a provoqué, qui finit céder et qui finit arriver. Vous avez une affaire. Moi, tu connais, oui, là, ça, hein, parce qu'il commence à connaître, un bon moment sur cette information. Et nous, tout finirait extrêmement tranquille. Et ça n'est pas mieux, pas. Mais si vous voulez, devant l'MBC, passe les rangs du gouvernement. Quand ça peut passer, pas dire bon, pas là-bas. Vous trouvez que les rangs du gouvernement, il est extrêmement calme parce qu'il nous dit connaît, ça peut arriver. Donc ça, inutile, on ne peut pas vous montrer aucune image. Mais à ce moment, tu n'as maintenant du point du gouvernement, quelqu'un appelle Reconstance. Oui, quelqu'un dit Reconstance. Ça, c'est le gouvernement. Qui est là là-dedans, les cadavres? C'était à la fin, les temps un peu aller, quand il finit zourer. On ne peut pas répéter, ça va le zourer là. Non, pour c'est dommage, pas de résistance. Écoutez, la dans un moment, la guerre, quand il gagne sa qualité zourer là, seul causé ou tendez, c'est Reconstance, mais qui s'en a. Attends, je vous. Qui s'en a qui ne commence cause Reca? Dans Maurice? Est-ce qu'il c'est pas le partenaire? Est-ce qu'il c'est pas le partenaire privilégié? Il est là une provocation violente. Et si vous ne répondez pas, ça même tout qui vous retenez? Oui, je pense. Puisque vous avez du temps. Donc, à cause de je vais poser ce côté de l'opposition. Et je rappelle qu'il y a aussi une. Je rappelle qu'il y a provoqué. Qui ça veut dire ça? Je ne sais pas. Moi, un temps maintenant, dire Reconstance, moi, je ne dis pas dire un mot. Et je connais qui fait, je connais ça. En tout cas, nous, je fais un appel à tout le député qui retrouve la sérénité dans le Parlement. Nous, là, nous jouons le jeu à 100% chaque question qui vient nous répondre. Nous répondre comment vous avez fait une longue réponse à un trop long. Nous donnons tout. Et aujourd'hui, nous avons le mot de la fête. Nous faisons un appel. Tout va le camarade. Dans l'opposition, bien sûr, très respecter la dignité, et bien sûr, nous, dans le côté gouvernement, vous pourrez continuer à respecter la dignité et de l'instance suprême du pays. Et nous pensons c'est ça, hein, c'est ça c'est important, c'est que nous retrouvons nos sérénités, que nous trouvons que c'est une culmination de choses. Qui c'est une affaire planifiée, est capable de gagner d'un droit de Paris ici, mais de ne pas faire honneur au pays, et nous retrouve la dignité du Parlement. Et mardi, rendez-vous mardi, tout le monde, nous arrêter comment tout le monde comporte mardi, ce mardi-là. C'est bon? Merci beaucoup.